tout le monde cache des choses. Parfois, c'est la seule façon de protéger ce qu'on aime. Les amis, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Mais je sais qu'avec cette vidéo, vous allez aller bien. Bah oui, vous le savez, vous l'avez compris, on va parler du jeu le plus attendu actuellement, God of War Ragnarok. Je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, je suis en possession du jeu depuis quelques jours et je peux vous livrer d'ores et déjà avant mon test, mon avis sur les premières heures de jeu, 5 heures de jeu approximativement. J'ai tellement de choses à vous dire, je suis tellement contente de vous en parler, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend ce God of War Ragnarok. J'avais suradoré le premier épisode en 2018, on en a beaucoup parlé sur la chaîne et c'est vrai que cette suite quasi directe aux aventures de Kratos et Atreus, eh bien elle est attendue comme le messie, elle apporte évidemment des nouveautés, mais on va surtout continuer à suivre l'histoire dans laquelle la relation entre Kratos et Atreus, le père et le fils, a une très grande place. Cette histoire où Atreus veut comprendre réellement qui il est, tout simplement. Une histoire immersive et touchante. En tout cas, c'est la promesse que nous fait cette suite. Et très clairement, dès les premières minutes de jeu, ça se ressent, ça se ressent. Allez, installez-vous confortablement. Évidemment, on va se caler avec quelques images. On n'avait pas le droit de capturer ces premières heures de jeu, donc je vous ai mis de très belles captures qu'on nous a fournies, mais aussi le trailer qu'on avait pu découvrir il y a quelques semaines. Installez-vous confortablement, encore une fois, c'est parti pour cette merveilleuse preview au cœur des nouvelles aventures de Kratos et Atreus. Donc vous le savez probablement, hein, on débute cette aventure plongée dans Fimbulwetter. J'espère que je le prononce bien, c'est un hiver plus que rigoureux évidemment, hein, qui semble éternel lorsque cette suite commence. Hein, c'est un hiver en fait long de 3 ans hein, dans la mythologie nordique si je ne m'abuse. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas voir que de la neige d'ores et déjà dans les premières heures de jeu, je vous rassure. Et quoi qu'il en soit, quels que soient les décors en fait qu'on va visiter, bon sang, c'est tellement beau, c'est tellement soigné. Vraiment, les détails et la qualité de l'univers de God of War étaient déjà fous hein, dans l'épisode 2018. Ici, vraiment, vous allez vous en prendre plein les yeux. Alors clairement, ce qui marque évidemment, hein, c'est cette tension, cette relation entre le père et le fils. Des tensions qui semblent aussi éternelles que l'hiver d'ailleurs. Les réactions d'Atreus ont pas mal évolué, c'est ce que je disais. Il est très crédible, encore et toujours, mais ce n'est plus un enfant, c'est presque un homme, un jeune adulte, qui n'est plus vraiment dans le défi pour le défi. Il la ramène pas à la fin de l'épisode 2018, souvenez-vous, il se la jouait un petit peu. Mais ici, il est beaucoup plus sûr de lui, mais je trouve qu'il est beaucoup plus juste. Il n'hésite pas à contredire, à tenir tête à son père, mais on sent qu'il le fait parce qu'il pense que c'est justifié. Je le trouve très intéressant d'ores et déjà, il a beaucoup de relief. Et Kratos, on le sent effectivement un peu plus inquiet. Autant Atreus est peut-être plus mature, mais Kratos, on le sent inquiet. On sent aussi à quel point il aime son fils. Ça, c'est complètement fou. On sent l'amour en fait que Kratos a pour Atreus. J'ai trouvé que c'était vraiment beau. C'est vraiment un ressenti dès le départ. On voit qu'il croit en lui, qu'il a envie de le croire, qu'il l'aime tellement et c'est incroyablement touchant. On sent en fait le père qui a encore grandi en lui. Donc on a vraiment un Kratos qui était déjà beaucoup plus humain, forcément, par rapport au premier jeu God of War. Hein. Dans 2018, c'était vraiment, voilà, il était humain, vraiment. Et ici, on sent que le père est encore plus présent, en fait, dans son attitude, dans son comportement envers Atreus. Et c'est très beau. Ils sont très humains, voilà. Et donc les deux héros sont désormais accompagnés hein, de deux loups magnifiques, baptisés par Atreus, Speki et Svana. Ils sont magnifiques. Ces derniers tirent le traîneau de Kratos et Atreus, hein, mais on va aussi se déplacer en barque, évidemment. Ce sont des images que nous avions déjà vues, ce qui permet de profiter des paysages. Et comme je l'ai dit, hein, on peut se perdre dans la contemplation très facilement parce que c'est sublime, c'est vivant, c'est organique. D'ailleurs, quand on se balade sur les voies d'eau et qu'on passe dans des zones comme des lacs, on pourra ramasser quelques éléments, des items dans l'eau avec Atreus.
On pourra évidemment aussi utiliser des accès mystiques, hein, disséminés ça et là entre les royaumes, mais les déplacements en barque, notamment, sont très agréables. Et encore une fois, ça offre un rythme parfait, hein, pour se délecter du paysage. C'est vraiment des moments très posés où justement Atreus et Kratos discutent encore et toujours. Il y a beaucoup de dialogue évidemment, hein, au cœur de la progression. Je trouve que tout de suite, vraiment, on s'attache voilà, au personnage. Grâce à ça aussi, tout cet enrobage, on se réattache tout de suite au personnage, vraiment. Si vous ne vous souveniez pas que vous étiez attaché à Kratos et Atreus, là, vous allez encore plus vous en souvenir. Et puis, on a toujours Mimir qui est avec nous, toujours aussi impayable. C'est plein d'humour, hein, c'est vraiment plein d'humour dans les dialogues. On a aussi nos deux amis, les nains, les frères Uldre, Brock et Sindri, qui vont nous permettre, évidemment, de fabriquer moult artefacts, améliorer nos armures, accessoires et compagnie via leur atelier grâce aux ressources ramassées. Tout le monde est là en fait et il y a vraiment des dialogues très très marrants. On sent que c'est très bien écrit, qu'il y a un soin apporté en fait à l'écriture des personnages. Il n'y a pas que du gameplay, il n'y a pas que le visuel, vraiment il y a cette écriture aussi, hein, qui met Santa Monica tout en haut du panier, bien sûr. Bon sang, c'est bon, voilà, c'est bon, on sent que c'est vraiment, ça va être fou, on le voit tout de suite. Alors en termes de scénario, je le disais, hein, on le sait bien, Atreus recherche qui il est là pour comprendre la prophétie de Loki. Je ne spoilerai rien, hein, même pas du premier épisode, hein, pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais en gros, évidemment, on termine le premier épisode par une prophétie qui met Kratos dans une situation délicate, et donc on va continuer sur ce thème-là, hein, dans ce deuxième épisode. On va effectivement aider Atreus, en tout cas, j'imagine, l'aider à comprendre son rôle dans le Ragnarok, tandis que Kratos va devoir effectivement un peu mieux maîtriser son rôle de père, qui doit écouter, faire confiance, et ne pas trop rester enchaîné à ses peurs. C'est encore une fois ce que je disais, il est très humain. Mais pas de spoil ici, je vous ai livré voilà mes sensations, mon émotion première par rapport à la relation entre le père et le fils, par rapport vraiment à ce qui est au cœur de l'histoire, mais je vais me concentrer davantage sur les mécaniques, les nouveautés de gameplay, et bien sûr on développera toujours sans spoil, bien sûr, dans le test complet. Alors clairement, vous allez avoir les bases du gameplay de God of War 2018, hein, mais aussi des nouveautés qui viennent parfaire une recette d'autant plus savoureuse. Alors ça remonte à 2018, mais il y a quand même des choses qu'on, voilà, qu'on garde en tête, évidemment, hein, la hache Léviathan qui est toujours aussi efficace, notre meilleure amie, j'ai trouvé encore plus violente, encore plus viscérale, une hache qui bien sûr, hein, reviendra vers nous lorsqu'on l'enverra valser sur les ennemis ou encore sur des éléments pour débloquer des passages. Vous savez qu'il y a énormément de puzzles environnementaux. J'ai trouvé que dans ces premières heures de jeu, d'ailleurs, il y en avait encore plus, il y en avait énormément, et pour mon plus grand plaisir, parce que j'adore ce genre de moments, il n'y a pas que des combats, il y a des moments où il faut vraiment lire l'environnement, et il faut se servir notamment de sa hache et de ses lames, on va y revenir, pour voilà, ouvrir des passages, mais on peut toujours l'envoyer, la rappeler. On prend un malin plaisir d'ailleurs à l'envoyer et la faire revenir pour qu'elle déchire les ennemis à l'aller et au retour. C'est très très agréable. Ça offre un gameplay toujours aussi aérien, extrêmement puissant, mais intelligent aussi par rapport effectivement à ces puzzles environnementaux. Par exemple, on va pouvoir geler l'eau pour débloquer des passages ou bloquer aussi justement le mouvement de l'eau. On va avoir effectivement parfois des espèces de fontaines, des geysers en fait, qu'on va pouvoir figer, glacer avec notre hache. Pareil avec les ennemis, on va pouvoir les geler et leur mettre un bon coup derrière pour pouvoir littéralement les briser. Le gameplay est encore plus viscéral, c'est ce que je disais, encore plus appréciable avec justement des nouveautés liées aux éléments. De toute façon, les attaques élémentaires sont vraiment au cœur de l'expérience. Idem avec les lames du chaos, hein, elles offrent d'ailleurs plus de possibilités. On va pouvoir varier les plaisirs, on pourra toujours amener les ennemis vers soi, on peut les choper en hauteur pour les éclater au sol. D'ailleurs, elles sont aussi utiles non seulement pour les ennemis, mais aussi parce qu'elles permettent d'enflammer des ronces, notamment pour dégager des passages, mais aussi interagir avec les éléments pour les puzzles que j'évoquais précédemment, ou encore de se tirer vers le haut sur des hauteurs inaccessibles, très pratiques pour gagner du temps sur la grimpette. Je peux vous assurer que le gameplay est toujours aussi nerveux et savoureux, hein, évidemment, selon les situations. En plus, on va switcher entre les lames et la hache. Ça donne un rythme incroyable, ça part dans tous les sens, c'est calibré, c'est propre, c'est
parfait. Et évidemment, en plus, Atreus aura toujours ses flèches à disposition, avec notamment des flèches soniques, avec lesquelles il va pouvoir, en fait, tout simplement tirer sur un matériau verdâtre, vous le verrez, ce qui va pouvoir débloquer des passages, qui va être utile aussi pendant les puzzles. Donc on a vraiment énormément d'outils à notre disposition. Et bien sûr, on va faire évoluer nos personnages qui vont devenir voilà, de plus en plus forts. On va gagner de l'XP et ça va nous permettre d'améliorer les stats, notamment de ses armes, débloquer des compétences pour ces dernières sur 3 arbres, technique, à distance et corps à corps, autant en lâche que les lames, bien sûr. On pourra y assigner des attaques runiques. Les lames sont évidemment imprégnées de feu, tandis que la hache Léviathan pourra être imprégnée de givre, c'est ce que je disais. Voilà, les attaques élémentaires sont de toute façon vraiment au cœur de l'expérience de jeu. Donc évidemment, ces attaques runiques hein, passent par des gemmes qu'on va apposer sur nos armes. Hein. On a des attaques rapides et puissantes et ça apporte évidemment énormément, déjà visuellement c'est super, mais énormément d'intérêt au combat puisque selon la situation, évidemment déjà, qu'est-ce qu'on utilise, la hache ou les lames du chaos et toutes ces attaques magiques donnent de la puissance et de l'intérêt au combat. Alors c'est ce que je disais, Atreus il peut toujours utiliser ses flèches étourdissantes, hein, mais également utiliser des flèches soniques, en tout cas sur cette début de partie, à peu près 5 heures de jeu, on s'en sert plutôt pas mal. C'est bien fichu parce que je vous disais, pendant les puzzles, on va notamment pouvoir bloquer de l'eau, donc interagir aussi avec ce matériau, utiliser la hache pour figer des plateformes, etc. Vraiment, ça fonctionne très bien. On a toujours aussi son bouclier, bien sûr, hein, pour parer les attaques, bouclier améliorable, bien sûr. D'ailleurs, les parades qu'on peut faire au bon moment, évidemment, hein, pour pouvoir choquer l'ennemi. On esquive, on fait des roulades, on termine les ennemis avec une violence absolue avec R3, toujours, ça fonctionne bien, sans oublier la rage spartiate, toujours au rendez-vous. Il y a vraiment énormément de possibilités hein, d'appréhender les situations, sans compter, hein, évidemment, je vous disais, on a joué vraiment à peu près les 5 premières heures, évidemment d'autres possibilités vont se débloquer, on les a vues dans les bandes annonces, les trailers, voilà, donc il y a énormément je pense d'ajouts et d'attaques runiques qui vont se débloquer autant pour la hache que pour les lames du chaos, évidemment pour Atreus aussi. Et puis c'est ce que je disais, on aura aussi énormément d'équipements à fabriquer depuis l'atelier pour améliorer donc nos armes, manches et pommeaux notamment, mais aussi bien évidemment des armures à déverrouiller et pour Kratos et pour Atreus, avec des éléments de protection pour le torse, les bras, la taille, évidemment avec des stats différentes à chaque fois, force, défense, vitalité, la chance qui va notamment activer des capacités liées à la chance bien sûr, ou encore le renouvellement qui va réduire le temps d'indisponibilité de capacités. Et puis on pourra aussi profiter de reliques, des talismans qui offrent des avantages sur le terrain, par exemple des bonus de dégâts pendant une courte durée. Et croyez-moi, il y a du level, hein, c'est très exigeant en termes de gameplay. Donc il faut pas hésiter déjà à explorer, il y a toujours des coffres évidemment, on va trouver moult ressources sur le terrain, on a toujours d'ailleurs effectivement ces coffres fermés par des runes qui offrent des énigmes toujours aussi bien fichues, qui voilà, permettent de profiter aussi, de poser un petit peu le rythme entre les combats. On va trouver des os de bête, cuir, poussière de royaume, divers matériaux, tout ça, ça nourrit le jeu, hein, et couplé à cette réalisation, toujours tout en plan séquence évidemment. Et l'écriture, on sent bien qu'on est déjà face à un chef-d'œuvre corsé, c'est ce que je disais, hein, je veux pas trop vous en dire, mais ne serait-ce que le combat avec Thor, c'est assez fantastique, on a un autre combat assez notable dans ces premières heures de jeu, c'est vraiment tout de suite très, très corsé, on nous impose hein, ce rythme et cette rigueur des combats de God of War. Et puis quelle mise en scène, je veux dire, ce combat contre Thor, c'est du grand cinéma. C'est du grand cinéma, ça te laisse la bouche ouverte en fait, tu souffres et tout de suite t'es projeté dans cet univers, c'est fort, c'est vraiment très très fort. En fait c'est vraiment le mot qui colle à God of War, c'est fort, hein, c'est surpuissant dans l'écriture, dans l'univers, dans les combats, et cette qualité évidemment encore une fois, de mettre les choses en scène de cette manière. On a déjà un bestiaire assez riche
encore une fois, dès ses premières heures, qui promet de belles rencontres. Justement, le manque de variété d'ennemis avait été reproché au premier, et c'est pas faux. Mais là, on retrouve évidemment des têtes connues, et aussi de nouveaux autochtones. Vous allez le voir, et on sent vraiment qu'un soin a été apporté à cet aspect. Je pense que la variété sera au rendez-vous, et c'est agréable, parce qu'on est obligé de s'adapter quand on ne connaît pas tel ou tel ennemi. Qu'est-ce qu'on utilise, la hache, les lames du chaos. Bref, c'est super intéressant. Le rythme est bon entre cinématique et combat, justement. Et cette qualité narrative est évidemment amplifiée par cette réalisation que j'évoquais précédemment. On sent qu'on est dans une suite encore plus dantesque, mais aussi plus humaine, émotionnellement très très puissante entre un père et un fils. Et j'ai trouvé vraiment, pendant ces 5 heures, que c'était encore mieux raconté, c'est prenant, il y a beaucoup d'humour dans les dialogues, encore une fois, c'est vraiment au cœur du jeu, vraiment, on sent que l'histoire, c'est le plus important. On va évoquer évidemment le lore, on va en apprendre plus sur la mythologie, justement, des fresques, c'est extrêmement soigné de ce côté-là. Et là aussi, encore une fois, c'est ce que je mettais en lumière au début de cette vidéo, c'est la force de Santa Monica. C'est évidemment du visuel, c'est la qualité d'un gameplay aux petits oignons, mais c'est aussi cette écriture, ce lore très travaillé. Il y a ce sens du voyage avec ces paysages incroyables, bien sûr. Vraiment cette dimension qui fait une promesse folle. Là, je lâche plus le jeu, honnêtement, j'ai tellement hâte. Je pense qu'il va falloir s'accrocher parce qu'il va y avoir, je pense, scénaristiquement parlant, pas mal de surprises. Alors évidemment, j'ai kiffé le gameplay, c'est nerveux, c'est viscéral, les lames du chaos, fantastique. Et je trouve qu'au-delà de ça, au-delà des combats, il y a vraiment déjà tous ces environnements. Moi, j'adore les moments où il y a des énigmes environnementales. C'est vraiment le genre de moment que j'adore. Il y en a beaucoup. Je pense qu'on va en avoir pas mal, justement, pour pouvoir bien lire cet environnement, être posé. Justement, j'ai trouvé que ce rythme entre combat, exploration était bon. Mais c'est surtout l'histoire, la relation entre le père et le fils, je la trouvais déjà ultra touchante dans le premier, mais là vraiment on sent qu'on va plus loin. Kratos, il a quand même pris un coup de vieux, ça reste un vrai Kratos, c'est le dieu de la guerre, mais on sent quand même qu'il est inquiet pour son fils, c'est plus un père qu'autre chose maintenant. Et Atreus, il me saoulait à la fin du premier, et là je le sens plus mature et intéressant, attaché aussi à son père. Je veux pas spoiler, évidemment, c'est pas le but, et je ne spoilerai jamais, encore moins dans le test, vous le verrez. Simplement revenir sur le ressenti, le gameplay, ce que ça va apporter, un petit peu les sensations, mais en tout cas j'en ressors en étant... J'avais un petit peu peur, en fait, qu'on ait un peu l'effet Horizon Forbidden West. Moi, Horizon Forbidden West, je l'ai vraiment pris comme une suite. Je trouvais que c'était moins impactant, que ça marchait moins bien. Je me suis un peu ennuyée, même si c'est un excellent jeu. Là, j'avais un peu peur de ça, parce qu'une suite, forcément, t'as pas l'effet waouh du premier, il faut le savoir. Mais par contre, honnêtement, dès le départ, t'es pris aux tripes. Et t'es embarqué directement, quoi. Il suffit de quelques secondes et t'es avec eux à nouveau et tu découvres ces nouveaux paysages, tu te réattaches instantanément. C'est ce que je disais, même si tu t'as un peu oublié, c'était en 2018. Là, t'es tout de suite remis dans le bain et qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est agréable à jouer, qu'est-ce que l'histoire est touchante. Et c'est pour moi, c'est... À mon avis, c'est bien parti pour que ce soit un incroyable chef-d'œuvre comme le premier. À voir évidemment sur l'histoire. On sait qu'il va y avoir une durée de vie pour l'histoire principale d'à peu près 20 heures. Évidemment, il y aura des quêtes annexes, etc. J'en ai vu déjà passer quelques-unes. Mais je ne veux rien spoiler. C'était simplement une première prise en main, une reconnexion avec le jeu. Il y a des choses que j'avais oubliées, des choses. Tiens, ça y était ça. Non, mais ça y était pas ça. C'est nouveau. C'est toujours cool de se replonger en fait dans un jeu qu'on n'a pas oublié, mais où les souvenirs sont un petit peu plus flous. Et là, ça revient. Ça revient tout de suite au bout de quelques heures, manette en main. C'est hyper, hyper, hyper efficace, hyper agréable à jouer. C'est calibré aux petits oignons comme il faut. Bravo Santa Monica. Ça sent très très bon. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'imagine que cette vidéo est en première. Je serais ravie d'y répondre si je peux, évidemment. Pas de spoil, encore une fois. Laissez-vous aller à vos théories. Mais je suis très très contente de cette preview et j'ai hâte. Donc je retourne sur le jeu. Et nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir été avec moi. Les amis, je vous invite à aller voir sur ma chaîne, si vous n'avez pas joué à God of War, d'aller voir mon test. J'avais fait tout un tas de vidéos. On avait même recommencé un let's play du jeu. Donc faites-vous plaisir si vous voulez des infos. Merci une fois de plus d'avoir été là. Plein de bisous et prenez soin de vous. Ciao. Je te connais.
Le tueur de dieux. Qu'attendez-vous de moi? Est-ce un dieu de la guerre que vous cherchiez? Tu ne souhaites pas la guerre. N'est-ce pas, Kratos? Tout se sent sur tes mains et celles de ton fils. Qu'est-ce que tu refuses de me dire? Je peux pas t'en parler! Mais tu dois me faire confiance! Nous nous plions à tes caprices! Mais tu crois à rien de tout ça! Et pourtant je te suis! Parce que tout ce qui compte, c'est que tu sois sauf! Mais c'est pas tout ce qui compte! Qui te protège, hein? Je n'ai pas besoin que tu me protèges. T'en es vraiment sûr? Que imposteur! Le père de tout! La mort pourra me prendre quand elle l'aura mérité. Que prétends-tu savoir de la divinité? Au cours de tes vies, as-tu jamais été vénéré? Quelqu'un t'a-t-il déjà prié? Peux-tu seulement imaginer ce genre d'amour? Non! Tu ne t'intéresses à rien d'autre qu'à ta personne, qu'à ce monstre qui tue sans aucune raison. Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est écrit. Nous façonnerons notre propre destin.